Had a lot of imagination. That's fantastic. He was more like an artist painting on a beautiful canvas. Touch of class, baby. Touch of class. Touch of class. You're a professional. Certain people in life have this aura around them. Sinatra had it. Elvis Presley had it. And it just oozed from him. Stay still, you're in my place. I know you're nervous, but I'm too. St. Andrews, 84, the best moment of my career. So I thought it was a good idea to stamp that forever in my arm. Remember, Savvy, you're the best. No balls, no clubs, no money, nothing. Necesito algo de dinero, Luis. Savvy lo vale. And the more difficult are the things, the more you try. In my mind, I always dream and I always visualize myself become a champion. Oh, and the young matador is absolutely delighted. He said, the one with the biggest heart will win. And I thought, well, you mean you, don't you? Life is like sport. You have to fight every day. The key is never give up. Coming into the Masters, my father was sick. I was on the 17th, Seve hit it in the water. I have it in my heart because I didn't win for my father. Because they're the youngest of four brothers, and he always had to prove himself to the other three. Chers amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, la troisième de ma série sur le petit jeu, sur le wedging. Et aujourd'hui, c'est la seule photo qu'il y a dans mon atelier d'ailleurs. Je m'en suis rendu compte l'autre jour, mais c'est vrai que Ballesteros, pour moi, c'est Valeriano Ballesteros. C'est un golfeur exceptionnel que j'ai suivi quand j'étais petit, qui m'a toujours fait rêver par son côté improvisation, son côté créatif, son côté différent des autres golfeurs. Je crois que c'est vraiment un golfeur unique dans l'histoire du golf. Son histoire est passionnante, il y a un film qui a été fait sur lui, qui s'appelle Seve. Et aujourd'hui, on va aller donc dans un bunker, parce que je pense que ce monsieur était un des plus grands joueurs de bunker que le golf n'ait jamais connu. Et je vais essayer de me mettre à la place du petit Severiano, qui a débuté le golf dans sa famille pauvre à Pedreña, avec un fer 3, puisque son père, qui était agriculteur, lui avait offert un fer 3. Et en gros, je lui avais dit, ben vas-y, apprends le golf avec ce fer 3. Donc, on va se mettre à la place du petit Seve, dans le sable, puisqu'il habitait donc à Pedreña, à côté de la plage, et il allait taper des balles sur le sable. Donc, très intéressant, c'est un cas d'école d'un jeune enfant surdoué, qui a donc eu un outil, encore une fois, j'y reviens par rapport à ma précédente vidéo, un outil entre les mains, et qui a cherché à comprendre comment, avec cet outil, qui n'était pas du tout adapté au sable, arriver quand même à s'en sortir, En se positionnant en termes de géométrie de l'outil pour essayer de lui faire accomplir une certaine tâche qui est expulser cette balle du sable. A tout de suite. Bien, alors nous voici dans le bunker du Bordeaux Country Club à Ambès. Ça va, il y a de la lumière, les nuages sont un petit peu noirs, mais ça devrait passer. Et donc j'ai en main mon fer 5. J'ai pris mon fer 5 pour me mettre dans la situation du petit Severiano Ballesteros qui lui avait son fer 3. Alors j'ai pris un 5 parce que d'une, j'ai pas de fer 3, mais j'aurais pu prendre mon fer 4, mais j'ai pris mon fer 5 parce qu'il a le même loft, j'imagine, que le fer 3 de Severiano de l'époque, c'est-à-dire environ 25 degrés de loft. Et donc cette vidéo pour vous parler du sable, du bunker bien sûr, et essayer d'imaginer comment ce petit Severiano, avec son fer 3 de 25 degrés de loft, a été capable de générer une sortie de bunker de green à 10 ou 15 mètres, sans avoir l'outil adapté, qui était, vous le savez bien sûr, un sand wedge avec beaucoup plus de bounce et de rebond.
Donc un fer 5, 0, 0 bounce. Hein. Donc il a tenté, j'imagine, de recréer artificiellement ce bounce et le loft, hein, les devants de paire pour faire une sortie de bunker de green. On a besoin de loft et on a besoin de bounce. Alors pour recréer artificiellement ce loft et ce bounce, eh bien je vois trois vecteurs avec lesquels il a pu manipuler cet outil qu'il avait entre les mains. Le premier vecteur, bon ben c'est le plus évident, celui que l'on conseille même aujourd'hui lorsqu'on a un sand wedge entre les mains, eh bien c'est d'ouvrir sa face de club. En ouvrant la face de club, ben forcément, je donne plus de loft à mon club. Ça c'est le premier vecteur ou le premier levier. Utilisable. Le deuxième levier va être lié à la géométrie du corps et donc du plan de swing qui va en découler, qui va être donc d'augmenter le bounce et aussi le loft en baissant ses mains, puisque lorsque l'on baisse ses mains, ce qui est aussi conseillé dans une approche de bunker classique, eh bien plus on baisse les mains et plus, vous le voyez, le loft augmente ainsi que le bounce. Et enfin, le troisième levier ou vecteur pour augmenter le bounce, eh bien, ça va être de positionner le shaft, non plus à la poche gauche, non plus à la braguette ou à la verticale, eh bien, carrément vers la poche droite. Alors, je récapitule. Premier levier classique, j'ouvre la face au maximum. Deuxième levier, je vais baisser le shaft pour augmenter le loft. Troisième levier, je vais placer mes mains sur ma poche droite. En faisant cela, j'ai peut-être une chance de sortir de ce bunker et de recréer le loft et le bounce d'un sand wedge. On va essayer. Alors je récapitule. Je m'installe avec un stance assez large. J'ouvre totalement la face pour recréer du loft. Je baisse mes mains pour augmenter le loft et le bounce. Je positionne mes mains plus vers la droite pour augmenter le bounce. Ma foi, c'est pas superbe, mais c'est sorti. Allez, on va essayer de mieux faire. J'ouvre la face, je baisse les mains, je mets mes mains à droite. J'ai du bounce, j'ai du loft, il n'y a plus qu'à swinguer. Oh ! Elle était pas mal celle-là. Troisième, je m'ancre, balle au pied gauche, j'ouvre totalement la face, je baisse les mains, je mets mes mains plutôt vers la poche droite. Ah, un peu longue. Et c'est plutôt pas mal. Alors, pour conclure très sérieusement sur cette petite vidéo, parce que je l'ai vue, c'est un Anglais qui en parle, que je suis, j'ai oublié son nom, c'est une vidéo que j'ai vue il y a très longtemps. Et il disait qu'une des meilleures façons de s'entraîner dans le bunker, de bien comprendre justement non seulement l'outil et la géométrie du swing, eh bien c'était de s'entraîner à faire des petites sorties de bunker avec un fer 7, fer 8. Et j'en suis tout à fait convaincu. Ici j'ai pris un exemple extrême, un fer 5, mais je comprends pourquoi désormais le petit Ballesteros est devenu un génie du bunker. En apprenant tout simplement à faire des sorties de bunker de 10-15 mètres avec son fer 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres sur la thématique du petit jeu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé encore une fois cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner bien sûr pour les prochaines vidéos. À très bientôt. Oh le couillon.